Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Attention au fir, c'est quand tu veux. Faites du bruit s'il vous plaît. Ouais. Je te laisse la scène, regarde, je recule. L'autre jour j'ai un petit accident, je suis arrivé chez le médecin, les deux tympans percés. Il m'a dit: qu'est-ce qui se passe monsieur, vous avez survécu à une explosion? Je fais: non, j'écoutais du Joule. Bah j'ai fait le con, j'étais à l'arrêt de bus, un gamin qui écoutait du son, je l'ai emprunté ses écouteurs et au bout de deux Chiquita, j'avais du sang qui coulait des oreilles. On m'appelle l'OVNI. Tu m'étonnes, le mec arrive vers toi avec une tête d'ananas en te faisant ça. Je lui dis pas bonjour, moi j'appelle la NASA. Ce signe m'intrigue, on dirait que le mec apprend à compter. 3, 4, mon bijou, fais-moi un bijou, 8. Et puis si t'écoutes les paroles au premier degré, tu flippes, j'allais prendre ma douche, j'allume la radio, j'entends: te déshabille pas, je vais te violer. Ah, je me suis pas lavé pendant 2 mois. Hein. Ah, j'étais pas bien. Ensuite, j'arrive, je prends le métro, j'entends une dame qui dit: ah, ça pue ici. Peut-être, mais personne m'a violé, madame. Il y a pire que Joule. Hein. Je suis tombé sur un clip de PNL. Libérer leur coiffeur. Non, mais la féminité, ça c'est limite. Mais là, soit tu te coupes les cheveux, soit tu portes un string. J'en vois plein des PNL dans la rue. Hein. Si, ça s'habille en fringue moulante, cheveux longs et lisses et une barbe. De derrière c'est Shine, de devant c'est Chabal. Avant la mode dans les quartiers, tu sais, c'était le dégradé à blanc. Les coiffeurs avaient une tondeuse. Maintenant ils ont des lisseurs. Babyliss. Même le dealer en bas de chez moi, je le vois avec des gants. J'ai dit: moi les gants, hey, entre nous c'est pour pas mettre d'empreintes. Il me dit: non, c'est juste que je vais paniquer ma manucure, t'as vu. Les hommes se féminisent, je vous jure. Oh, le jour où un de mes potes arrive en retard parce qu'il a coincé son talon dans une plaque d'égout, mais tuez-moi. Même les gays deviennent ouf, les hétéros leur piquent leur mode. Maintenant tu vois un jeune en survêtement Lacoste, c'est pas un lascar, hein. Non, c'est un homosexuel qui se révolte. Ah, ça fait flipper d'avoir des gosses, hein. J'imagine, j'en ai un qui me dit: papa, papa, j'écoute du PNL. Oh, c'est dommage, t'aimais bien. T'étais mon préféré. Chérie, fais de la place dans le congélateur, il y a le gamin qui délire. Ah non. Fais beaucoup de place, parce que hier j'ai vu la petite qui regardait un clip de Kenji. Au premier comigo, elle y a droit, hein. Je parlais de la mode qui a fait beaucoup de mal aux hommes, mais il faut le dire pour les femmes, c'est pareil. C'est quoi cette mode des sourcils, les filles, en ce moment? Bah non. Hey, c'est la guerre des sourcils, oh, comment ça se passe, Rachel? Oh, sourcils accent circonflexe, sourcils point virgule, sourcils bande magnétique de carte bancaire, sourcils pâte tortillasse. J'en ai même vu une la dernière fois, elle avait les sourcils à l'envers. En mode sourcil, en mode sourire, sauf qu'elle était vénère. Et bah du coup on l'a pas pris au sérieux. Ah bah voilà. Et c'est quoi aussi cette mode? C'est quoi aussi cette mode des gros sourcils? Plus ils sont épais, plus ils sont à la mode. Et ça coûte cher. Hein. Ouais, j'en ai vu la dernière fois, je pensais qu'elle bossait pour Saint-Maclou. Elle avait deux bouts de moquette en dessous le front. Et l'épilation totale des sourcils. Peut-on en parler? C'est horrible. Quand ta femme passe de l'être humain à l'otarie en un seul jet. La phobie du poil. Non mais à ce niveau-là, ça ne sert plus à rien d'aller chez l'esthéticienne. Hein. Une chimio et tu passes l'été tranquille. Je déteste cette mode des sourcils épilés. Hey, j'étais à la piscine avec une nana, comme ça s'appelle Flora. Je lui dis, elle me dit: tu vas me voir nager, je suis un vrai dauphin. Elle a plongé, elle est ressortie, tout s'est effacé. J'ai dit: excuse-moi Flipper, elle est où ma meuf? Non mais c'est moi. Non, c'est ouf, un dauphin qui parle. Du bruit s'il vous plaît. Allez, il faut lui faire écouter. Et pour au fur, allez. Et franchement, c'est pas facile. Excellent. Du tout. Alors, puissant. On refait un maximum de bruit. Ah, ouais. Parce que je peux vous dire que prendre le mic sans texte comme ça, balancer, c'est un extrait. C'est un extrait du spectacle. Il le tient bien, le spectacle. Ouais, ouais, ouais. Ah, la puissance. On va savoir la puissance. La puissance. Oh, c'est la puissance. Ouais. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.